tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un soin pour le corps de chez Apicia. J'aime beaucoup le packaging, je trouve ça trop beau, trop mignon. Et en plus, il y a un allergène qui est en quantité minime puisqu'il est dernier sur la liste des ingrédients, c'est le linalool, donc qui est un allergène végétal. Donc, un composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Donc, c'est vraiment voilà, un ingrédient naturel. Bien évidemment, pour les femmes enceintes, on évite de l'utiliser. Et pour les peaux sensibles, les peaux à risque, voilà, à utiliser, je dirais, occasionnellement. L'odeur, elle est juste à tomber. Ça sent le miel, le sucre. D'ailleurs, c'est un soin fermeté au miel. Donc, voilà. Bon, après, moi, voilà, c'est un tube que j'ai dans la Beautiful Box. Donc, c'est malheureusement pas un produit que j'ai envie d'utiliser parce que j'ai décidé de ne pas utiliser les produits qui contiennent des allergènes, tout simplement. Mais voilà, pour les personnes qui craignent rien et qui n'ont qu'un tube, qui ont envie de l'utiliser, bah, utilisez-le. Faites-vous votre propre avis par rapport à ce que je vous ai dit sur les ingrédients. Maintenant, ça reste pas un produit dangereux. Attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut juste éviter les allergènes tout le temps. Voilà, c'est tout. Même si c'est infime dose, à fort infime, 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 plus infime, plus infime, bah, ça commence à faire beaucoup, hein. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me donner votre avis. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.